Det er i dette huset at Varg Vikernes ble arrestert av politiets etterretningsenhet, for så å bli brakt til politistasjonen. Det var klokka 6:30 tirsdag morgen at naboene ble oppmerksomme på urolighetene i nabohuset. C'est un voisin que je croise de temps en temps, pas régulièrement, parce que on n'a pas de rapport précis ensemble. Il a trois petits enfants blonds. Il s'en occupe très très bien. C'est un très très bon père. Tourné donc vers ses enfants. Je crois savoir qu'il est musicien. Bon, c'est la surprise. Vikernes slapp ut av fengsel i Norge i 2009. Da hadde han sonet en 16 år lang straff for tre kirkebranner og drapet på gitaristen Øystein Aarseth. Nå melder franske medier at Vikernes er siktet for planlegging av massakre. Den siste tiden skal han og familien ha bodd på den franske gården for å unngå oppmerksomheten han fikk i Norge. Vikernes hadde svært lite kontakt med innbyggerne i landsbyen Salon-la-Tour, der det bor ca. 700 mennesker. Deres tre barn går ikke på skolen. Og nettopp det var et av temaene Vikernes kone og landsbyens ordfører diskuterte da han avla paret en høflighetsvisitt i juni. Je les avais rencontrés, puis ça s'est très bien passé. C'est lui qui nous a ouvert. On n'est pas rentré, il nous a jamais dit de rentrer, elles non plus d'ailleurs. Alors il nous a dit qu'il parlait pas très bien le français, étant norvégien, et donc son épouse est venue nous rencontrer. On a parlé demi-heure de banalité et tout ça. Je lui ai demandé pourquoi elle scolarisait pas ses gosses. The game's first.